c'est Evanged et bienvenue dans Skyrim Mod. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mod Death Note. Ce mod va tout simplement nous permettre d'obtenir le livre que nous rêverions tous d'avoir dans notre bibliothèque. Pour obtenir ce livre, il faut que vous vous rendiez à l'académie de Fordhiver. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vous rendre à l'endroit que je vais vous indiquer en ce moment même à l'écran. Donc en clair, rentrez dans l'académie, puis tournez sur votre gauche et à côté des buissons et des rochers, vous trouverez le Death Note tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer comment chasser votre proie à l'aide du Death Note. Vous avez juste à aller parler à la personne que vous voulez éliminer et sélectionner dans les dialogues Memories, Face et Name. Il ne vous restera plus qu'à sélectionner la sentence qui va s'abattre sur votre ennemi en choisissant parmi les 4 possibilités celle qui vous plaît le plus. Celle-ci est tout simplement de se faire manger par des rats. D'ailleurs, Eaten by Rats est un petit peu buggé. Maintenant, je vais vous montrer une autre sentence qui peut s'abattre sur votre adversaire. Tout simplement, cette sentence est Heart Attack, une crise cardiaque. Vous pouvez également faire ressentir un avant-goût des enfers à votre ennemi en lui infligeant une combustion instantanée à l'aide de Spontaneous Combustion. Et enfin, vous allez pouvoir faire rentrer votre adversaire dans une folie furieuse grâce à Berserker Rage. Votre cible voudra tout simplement combattre n'importe quelle personne qui se trouvera sur son passage. Ce qui l'entraînera inévitablement dans la mort. Maintenant, passons à un deuxième mode bonus. Ce deuxième mode n'est autre que Killab Children. Grâce à ce petit mode touchouguinet, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de ces maudits petits gnomes arrogants qui ne sont autres que les enfants. Broyez leurs petites âmes fragiles devant leurs parents. Puis amusez-vous avec le cadavre de ces enfants sous les yeux ébahis de leurs parents. J'ai faim des fruits et des légumes avec ma mère. Eh ben bouffez tes fruits et tes légumes. Et bien voilà les amis, ce Skyrim Mod touche à sa fin, alors j'espère qu'il vous aura vraiment plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si jamais vous avez des problèmes au niveau de l'installation de ces mods, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Bien évidemment, tous les liens vous permettant de télécharger ces mods sont évidemment dans la description, je pense que tout le monde le sait, et si vous ne le saviez pas, eh bien maintenant, vous le savez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment, vraiment, vraiment plu. Et à plus tout le monde, et à la prochaine. Ciao. Hello tout le monde, c'est Evanged. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un mode en développement. Et ce mode n'est autre que...